Ni le prod. Tu vas bien, mon pote? Ça va, impeccable, toi? Ouais, ça va. Ne me casse pas, hein, parce que j'y ai prêté à l'autre, là-bas. J'ai que ce jeu. Hein. Bien, Michel, bon. Allez. Ça va, par ça? Ouais, ça va, et vous? Ça va et toi, mon petit? Ouais, impeccable. Hey, Joe! C'est là. Bravo. Où est la mallette? Qu'est-ce qu'on y met dessus? Un lapin blanc? Hein? Un lapin blanc sur la mallette? J'en ai fumé, il faut le faire voir. Peut-être pas un joueur de jouer au boule avec le tag. Il y a un club de boule à pétanque. Il y a un club de boule à pétanque qui bombarde les petits là. Ouais, déjà non. Je connais. Ouais, 10 à 5. Ouais, deuxième. On a perdu la première. C'est pas compliqué, il faut savoir payer pour perdre un peu la première et puis après, on met les pannes du valeur. Qu'est-ce qu'il y a à faire au bon Dieu? Et être assis en plus. Oui, mais le responsable c'est vous, mon bon monsieur. S'il y a des sanctions à prendre, ce sera sur vous. Bon, alors je vais la prendre, carrément. Prenez-la. Hop. Allez, terminé. Allez. Terminé. Le Valentin. C'est l'arbitre, il nous a dit interdit de se mettre au sol. Tu l'as pas regardé. Bon, ben ça va, alors au moins c'est sûr que tu vas bien. Voilà. Quand tu vas bouchonner, tu vas faire un mètre. 6 à 3. Si tu descends toujours, tu n'arrives pas à te garder ta ligne. C'est cool.
Bien. Très bien. Dans les joueurs, si tu veux. On va rester dans le tout à bout. Quand tu auras, on verra ce qu'on peut. Quand ils sont. Hey Michel. Allez, essaye de la jouer juste là, allez. Déjà, elle a piqué une directe. Hein. Ça, c'est pas une partie de huitième. Non. C'est bien tiré, mais c'est pas une partie de huitième. Cadrage. Cadrage.
premier huitième de finale, Romero Marvin, Ripper Fabien contre Bertrand Didier, Chopard Alain. Thank you.
Poule 3. 21. 30 mois. La 22 sort les poules. Moi, j'ai jamais eu aussi chaud, je crois. Ah, la 22 a gagné. Donc. Alors, vous sortez les poules et on tire. Julien, Fabrice, pas couvert. Pour l'instant. Il vaut mieux, vu le temps, si vous ne pas être couvert. Parce qu'il ferait chaud, ce qui est tout. Faites-moi rentrer chez moi, que mes petits. Hop. Il est insupportable, pas tout ça. Non, là, je ne sais pas si tu m'as fait ça. Vous appellerez si. Là, dans la poule, j'ai la carte qui sort et la 22. Ah, la carte est déjà sortie. Je refais. Ah, oui, exactement. Je ne savais pas que la carte était déjà sortie. Non. Tu vois, par contre, il n'est pas couvert. Alors, mais au moment, ils ont dit. Alors, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Bon, ça va, je vais en mettre. Deuxième partie des huitièmes. L'équipe Parella Gaëtan et Pinero Geoffrey jouent contre la 28 Guingamp-Claude Ibor Laurent. Et c'est le terrain. C'est le terrain 5. C'est le huitième de finale au terrain numéro 5. Parella. Camille, c'est l'homme. Thank you.
un moment que je le connais. 68, quand il vendait les machines, les produits pour sulfater. Ah, il m'a écouté là. Voilà, il n'y est plus. Bien arrivé. Oh. Allez, bravo. Lui aussi c'est un huitier, celui que j'ai fait tout à l'heure. C'est ça qui est con parce qu'en plus il y a un retard, il est bien, alors qu'il y a un mélange de l'art. Il y a un marqué sur la bonne. Il y a 5 euros là-bas. Et puis, avant de commencer, le mec... Pourquoi est-ce que tu me donnes des trucs comme ça? C'est pas bien, c'est pas bien. Alors je que j'ai maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonne. Mais lui, il porte. Il y en a qui font des motos. Toutes les années, ils ont fait, c'est bien. C'est intéressant parce que tu fais des débuts qui sont très, très intéressants. Si tu les suis bien, ce n'est pas facile à suivre. Je suis bien, mais c'est intéressant. Non, mais c'est moi qui t'attends. On t'attend. La première idée, il pointe, tu auras après, je parle du tout, il y arrivera. Tu perds tout de même. C'est moi qui pète une table. Ah oui, oui, c'est sûr. Tout à l'heure, tout le monde tire, elle fait que crier. Ah, là, bah, ouais. C'est pas la lumière. On se barre, les fois, ça fait du bruit. Sur Boule du Gard, qu'est-ce que c'est ce site? Eh ben, boule. Oui, boule. Oui, boule. Oui. On change la place du dialogue, et voilà. Bon, pour une fois que ça s'est retenu dans la chine, oui, ouais, mais... ça marche, j'ai rien compris, elle a fait la musique, toi. Il n'en peut pas. C'est comme ça, ouais.
fais la droite, tu chasses un peu la sienne, tu le fais direct. Rien grave.
Bigard doublette. Je prends le sac. Passer d'en bas, si tu passes d'en haut, tu l'as gagné. Je l'avoue, tu passes d'en haut. Tu passes là, tu l'as gagné. De côté, les mecs, voilà. Ils sont asphyxiés sur la photo. Oh. Ça va, moi. Ça va vite, hein? Roland, pas bien?
mon frein. Cœur, le score 13. Ne frappe pas leur verre, c'est pas la peine. Voilà, bon. Le café est bon, chaud, la bière aussi. Oh, c'est 7 Ça vous est arrivé de gagner au boule là ? Oui. Nous ? Oui. On peut que ça. Quand on était jeunes, il va alors. Tu vois pas qu'on va des riches. Hein. Des putes. On était jeunes, il va alors. Tu vois pas qu'on va des riches. Hein. Des putes, dis. Mais comme ça, on n'en fait plus. Hein. Le beau frère, oh, le beau frère, le tonton. Ah, il y a tonton et tata, elle est pas là. Dis un petit mot à tes visions là. Dis un petit mot à tes visions là. On pourrait faire 3 là. Ouais. C'est pas fini les gars. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Non mais là je prends pas des photos. Ah, après. Mais non, il m'a dit que non. Ah, mais là ça bouge après. C'est moi, c'est incroyable quand tu vois un mot. Et après, si tu veux. Ils vont. Dans les championnats maintenant, ils vont tout en haut. Après les quarts, ils vont venir en haut. Bernard, combien ? Qu'est-ce qu'il a manqué pour gagner ? Pareil, je suis un tour de boule, ouais. Après ça, tu arrives. Ouais. Moi, je mène à la fin. On a fait la merde qu'il fallait. Nous allons profiter. Ah, alors, le champion de France. Toi, l'ancien, le nouveau. Ouais, c'était un petit peu. C'est et Marseille. Déjà nous, le boule passion, ouais. Ils ont inscrit et au comité. Mais moi j'ai demandé hier à Martin, il ne voulait pas vu date, il m'a dit quand on met les cartes, on regarde pas, il m'a dit c'est quand on a pris. Il y a championnat, homogène, je suis d'accord. Il m'a dit quand on a pris dans le championnat, ça c'est un mi-rouge. Oh, 14 fois je l'ai pris ton collègue. C'est pas vous pour le film, c'est l'amitié. Ah oui, ça c'est important. Voilà. Malheureusement, elle n'a pas la même valeur pour tout le monde. C'est dommage. Ah, maintenant. C'est dommage. Les paroles ont la valeur qu'on leur donne. Exactement. C'est certain. Mais vous, ce jeu, vous ne connaissez pas, vous ne jouez pas la langue, vous êtes des pétanqueurs. On a eu. Ah, on a eu. On va arrêter les boules, on va prendre le crochet maintenant. Aïe, 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 aïe. Il y a plus de sous à prendre au rasé. Oula. Il vérifie le niveau. Bon, Solo, enlève-toi de la caméra, tu ne le vois pas. Vous ne cassez pas la tête, hein. Par contre, j'essaierai de venir. Il faudrait, à ce moment-là, c'est qu'il serait peut-être.
6. 11 à 6. Ah, il fait un petit peu la moitié. C'est pas Calvisson, ouais. C'est Caveirac. Ah, oh, mais moi, c'est cuit après. Non, mais on me l'a dit. Il y en a qui m'ont dit que j'étais là ce matin, ils m'ont dit les deux qui jouaient là vont jouer contre. Je sais pas. Ah oui. Donc je fais reprise. Et on fait reprise. Voulez-vous reprendre? Oui. On veut reprendre. Voilà, il me dit Bertrand Philippe. C'est moi. Boule Dupré. Oui, c'est exactement ça. Il est déjà qualifié, il est tiré le premier. Il a fini en premier. Pourquoi il m'a gagné en premier. Oui, j'ai compris. Bertrand Philippe, tire-le. Il est couvert en demi-finale. Bertrand Philippe va tomber contre Romero Marvin. Attends. C'est je te donne ta fiche et au jeu. Tant que je finis le tirage. Ouais, j'aime bien de ça. Et Benezé, ouais, il va jouer au jeu de. Vous avez deux jeux pareils. Voilà. Le tirage est fini. 26 okay. Contre 29, allez. 10 contre 4. Allez, attendez. 26, 29. C'est 10 et 4. Attends que je roule le marqueur. 26, 29. Au jeu 7. Alors c'est 7 et 8. 7 et 8. Contre la 26. Alors tu vois, voilà. Donc, numéro. Merci. De 30. Ah, ok. Là, par-dessous. Merci bien. Voilà. Voilà. Vous avez vu le tirage en direct. Alors, terrain 7 et 8. 7 et 8. L'équipe 26 de la Boule du Pré, Bertrand Philippe, Arnaud Daniel, Alain, contre la 29 Boule Passion Limoise, Marvin Romero, Fabien Ripert. Jeu 15 et 16. Non, 9 et 10. Oui. Jeu 9 et 10, pardon. Blanc Olivier. L'équipe 10, Fanny Huchot, Blanc Olivier, Plat, Patrice, contre l'équipe de la Boule Caveirac. Francis Mora, Benezé Bernard. Que les parties démarrent au coup de sifflet de l'arbitre. Que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Alors, les vues des demi-finales commencent. Soit de remettre sa boule face au but, au lieu de remettre la boule de haut.
Ah oui, tu remets sur le pied. Eh ouais. Oh, là si tu veux dans ces cas-là, le coup est bon. L'équipe Mora marque un point. Sur le terrain, 7 et 8. L'équipe Bertrand marque un point. Bien, Alain, bien. Allez, allez. Ken, il est en repos. Tu cours à la main, allez. Alors, t'as PMB. T'as dit qu'à Bocquer, nous, on balayait pas, c'est tellement propre les jours. C'est tellement propre. Voilà. Pourquoi là, tu fais. Oh putain. Adieu, adieu. Il n'a pas un fil à lever. Il y a deux probabilités possibles. Pas ces fans de jouer, je suis d'accord avec toi. Il a fait une carreau Espagne. Bravo. Moi ça me gêne les gens qui se permettent voilà, de donner leur avis et de dire à mon joueur. Déjà il prend partout le voilà. Je ne peux pas dire à Genoa alors que lui, il est plein d'être participé, beau parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de côté de participer. Oui, j'ai fait beaucoup. Je ne sais pas si bien parce qu'on le connaît. On ne peut pas les mettre dans les favoris, ce qu'il a mis sur la partie d'Eric Grandin, tu l'as vu. Qu'il était sur ses terres, qu'il revenait chez lui, qu'il aimait le gars et que le gars l'aimait. Voilà, je veux dire, après. Je ne dis pas comme le critiquer, je te dis juste les parties, je me permets de dire, lui qui est pour dire, toi tu risques de gagner, toi par contre ça me tomberait, toi tu es grand favori. C'est juste cette partie-là. C'est lui qui fait le travail un peu de reporter. Ils ne sont pas connus, qui viennent faire le championnat. Ça c'est très bien, c'est pour toujours dire. Il écrit très bien, il choisit des noms, il est un peu comme un PMU quoi. C'est un peu pareil, tu vois, PMU c'est vraiment un système. C'est un jeu gros, lui je vais se battre, mais c'est un système. Non.
partie et on perdait un prix. Moi j'y vois. Ça fait que vous qui ne voyez pas et moi qui vois, on est d'accord comme ça. Voilà, c'est tout. Vous poussez votre chaise. Hein. On prend la partie. Le score est de parité 2 à 2. Olivier Blanc 2. Caverac 2, ça fait 4. Cette semaine, l'équipe Romero marque un point. Romero 3, Bertrand 1. L'équipe Romero marque 2 points, score Romero 5, Bertrand 1. Deux, Caverac 8. Et de coup de coude, un point. Je te mène, alors on ne donne pas de coup de coude. Quand même, je te le dis, je ne ramène pas le petit coup comme ça.
Jeu 7 et 8. Pour cette semaine, l'équipe Romero marque 3 points. Olive 2, Caveirac 10. Casse, mais c'est casse-gueule. Ah, il sera bon. Le passion nimoise 8, Beaucaire 1. C'est 8, l'équipe Bertrand marque 2 points.
jeu. Vitenev, l'équipe de Bora marque 3 points et se qualifie pour le championnat de France à Montauban. L'équipe de Blanc-Plan jouera le repêchage. Bertrand 6, Boule Passion 8. Quant au moi, Madame Bettencourt, ce qu'elle a laissé tomber, ce qu'elle a jeté, alors c'est un peu pareil. Hein. Ma foi. Bravo, bien. C'est pas grave. Mets ta bouche, tu veux, Philippe, je sais pas si tu veux combien tu veux. À vous de jouer, t'as la gagne. Non. 98,5. Si c'est les tucheux, on va régler avec des pieds maxi. Elle est sortie.
Martin. Lui, il tape des boules. Oh. Ouais, ouais, ouais.4 à 4 ans. Ouais. Ah, c'est bon. Et il fait beau. Romero marque 4 points, il égalise. Romero 4, Romero 4. Championnat du Gard, équipe Romero marque de nouveaux points. Score Romero 7, Mora 4. Ça va. Le meilleur, non? Oui.
Merci. J'ai rempli la baraque. Romero 11, Laurent 4. Alors 5 5 à 11. 5 à 11, et il pleut. Le calife, je tire le bouchon pour marquer deux points. Mais j'y étais hier aussi, mais aujourd'hui, je ne suis pas. Aïe, aïe, aïe. Là, on voit bien. Là, impeccable. Monsieur le Président, vous pouvez. Continue. Ah, gagnant. Oh putain. Ah ouais, il y a ton nom dessus.
5 est là. Combien tu en as fait, Oliva? 2, 7 ça fait. Là hein? 7-0. 7-0. 7-1. 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 Par la joie au sport de la ville du Chaud. Merci. Félicitations. Merci bien. Il faut les ouvrir, monsieur a dit. Peut-être il y a un chèque avec. On a mis les chèques. Allez, sortez-les, les trophées. Il y a le sourire du président déjà. Sortez-les, les trophées. On les a déjà prenez les albumés. On va reprendre les albumés. Ah, voilà, voilà, voilà. Allez, c'est bon. C'est bon. Merci, monsieur. Merci bien. Moi aussi. Les trophées pour les vainqueurs seront remis par monsieur le maire du Chaud. Monsieur Marien Monnet. Monsieur Marien Monnet. Fabien Ripert et Marvin Romero de la boule passion limoise. Bravo. Félicitations. Merci monsieur. Allez la photo tous les trois. Les Fagnons de champion du Gard 2015 de doublette provençale seront remis par monsieur Alain Donadieu qui a tenu la table de marque pendant 2 jours. Bravo. Il s'est fait remarquer. Le président du comité du Gard, M. Jean-Louis Rizeau, va remettre le fagnon au club vainqueur, M. Gilbert Vierne, président de la boule passion limoise. Voilà, bravo à tous ces lauréats et nous souhaitons bonne chance au championnat de France à Montauban. Petit mot de M. Guizot. Félicitations aux champions, j'espère que vous représenterez bien le Gard au championnat de France à Montauban. Marvin et ton copain, j'espère que vous brillerez là-bas, ça vous fera plaisir, une équipe jeune. L'équipe de Caveirac aussi. Bon, je remercie particulièrement donc, les joueurs pour la tenue du championnat. L'équipe du Chaud en plus, des locaux. Approchez-vous là. Hey, Olivier, approchez-vous là. Qualifié pour le championnat de France. Les qualifiés, mettez-vous. Bon, c'est bien, c'est un bon mélange de jeunes et de moins jeunes. On verra qui sera le plus loin au bout. Bon, je remercie particulièrement les joueurs pour la tenue de ce championnat, pour leur sportivité. Messieurs les arbitres aussi, merci. Monsieur Sébelon et Monsieur Maxime. Et puis, un grand merci à la mairie de Vauvert, Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Du Chaud, excusez-moi. Il a eu chaud, il a eu chaud. Non, je suis dans le championnat de France de Vauvert la semaine prochaine. Merci à la ville du Chaud de nous accueillir. C'est un beau cadre. Merci aussi à Monsieur le Président, je ne sais pas où il est. Guy Borne, viens Guitou, mets-toi avec eux là. Chez vous, Monsieur Borne. Allez Guitou. Par contre, il paraît que les bains sont confortables, il s'est endormi sur un banc. Donc... Allez, on fait une photo là. Bon, merci à la tenue de table qui a été impeccable, pas de problème. Écoutez, ben.
rendez-vous l'année prochaine, je ne me rappelle plus où c'est. Enfin, rendez-vous l'année prochaine, je passe les deux minutes. Il y a eu chaud l'année prochaine. Il y aura eu chaud, non ? Pourquoi pas ? Non, bah. Pas nous. Moi, vous savez, je ne suis pas. Pas de problème. Ça, aussi. Quand on est bien accueilli, que ça se passe bien, on revient avec plaisir et j'espère qu'on y reviendra un jour. Que le comité reviendra un jour, peut-être pas moi, que le comité. Merci à tous et bonne soirée. Et félicitations, vainqueur, un grand bravo. Là, c'est bon. Merci, merci aux joueurs, merci au club La Fanny et ses bénévoles qui, sur ce week-end, se sont fortement démenés pour organiser ce championnat. Merci à la Ligue et au comité d'avoir encadré ces parties. Ça fait plaisir de vous accueillir cette année. Vous avez pu découvrir le cadre du Chaudois qui est plutôt sympathique. L'orage a été, on va dire, gentil, clément avec nous. Ça a permis de finir tranquillement ces parties. Et puis un grand bravo aux joueurs, même si j'ai une sympathie particulière pour nos amis du Chaudois qui vont défendre nos couleurs. Mais en tout cas, bonne chance. Et puis on vous suivra dans vos péripéties au championnat de France et on sera vos premiers supporters. En tout cas, merci à tous et puis rendez-vous l'année prochaine sur d'autres terrains. Merci. Bravo. Le plus intéressant reste à venir. C'est pas fini, Le midi, le carré.